Bonjour à tous, je suis Romain Pérez, agent immobilier à Dubaï et passionné d'immobilier. Je lance les vidéos YouTube pour vous faire découvrir les plus beaux appartements et les plus belles villas que je peux avoir à vendre à Dubaï dans un format plus long. On va commencer aujourd'hui par l'appartement Pagani dans la résidence derrière moi, un appartement 3 chambres de 2700 square feet, 254 mètres carrés, 4 salles de bain, on a en plus une mess room et une pièce secrète que je vous montre à la fin de la vidéo. Quand on entre, on a cette petite entrée et on remarque tout de suite le style caractéristique de cet appartement qui a été entièrement designé par Horacio Pagani, le CEO fondateur de la marque automobile Pagani. Si vous connaissez un peu les voitures, c'est vraiment un design singulier qui ressemble à aucune autre, comme les appartements, il n'y en a pas deux comme ça. Et les fans de voitures vont apprécier la multitude de détails qu'il y a et que je vais vous montrer dans l'appartement. Ici, c'est censé représenter les pots d'échappement de la voiture Pagani. On ouvre en fait, c'est une trappe avec des rangements derrière. Sur notre droite ici, on a un coin pour la mess room, sa salle de bain et le coin laundry avec la machine à laver. Et on enchaîne tout de suite, on arrive dans le salon. Quand on arrive dans cette pièce, la première chose qu'on remarque évidemment, c'est ce superbe canapé et tout le mobilier a été entièrement designé par Pagani Arte. C'est la marque de mobilier de Pagani. On a un sublime canapé avec des détails, la marque est brodée, l'effet fibre de carbone qu'on retrouve aussi sur les voitures. Imaginez-vous dans votre canapé comme ça, dans le salon, à regarder la Formule 1 le dimanche, le rêve de tout passionné d'automobile. On a une très belle table basse aussi avec l'effet fibre de carbone. Ici, c'est l'iPad pour contrôler absolument tout l'appartement. Vous contrôlez la lumière, la clim, vous pouvez ouvrir, fermer tous les rideaux. Aussi la musique parce qu'il y a un système de son qui est intégré dans tout l'appartement. Bref, vous contrôlez absolument tout avec cette iPad, c'est super. Juste après le salon, on a la salle à manger avec une très belle table, encore une fois, Pagani. On a tout le long du salon et de la salle à manger un grand balcon qui a vue sur le Burj Khalifa. On ne voit pas le Burj Khalifa de base en haut, mais c'est quand même une vue Burj Khalifa. Moi, j'aimais beaucoup dans ce projet les vues côté canal. Ils sont de l'autre côté, mais il y a des gens qui préfèrent les vues sur la ville. Et ici, il y a un petit coin très sympa qui est mon coin préféré. On peut s'allonger, observer la vue sur la ville, lire un bouquin ou se mettre sur le téléphone, sur l'iPad. Je trouve ça vraiment génial. Très beau buffet, encore une fois, par Pagani Arte. Splendide. Et je vais vous montrer maintenant la pièce maîtresse, la star de cet appartement, la cuisine. On peut fermer entièrement la cuisine avec ces deux portes coulissantes, ce que je trouve pas mal, même si moi, je suis un fan des cuisines qui sont ouvertes comme ça sur la salle à manger et le salon, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment aussi pouvoir fermer leur cuisine. Donc vous avez cette option-là ici. La première chose que je vois quand j'arrive dans la cuisine, c'est ce superbe îlot central. Et moi qui suis un grand fan de café, j'en bois 4 à 5 par jour, j'ai craqué sur cette machine à café qui est intégrée dans l'îlot. Vous venez là sur votre iPad, vous commandez votre espresso. Évidemment, vous prenez la tasse Pagani et vous avez juste à attendre pour votre café. Exceptionnel. Et on passe sur le côté des équipements électroménagers et des rangements pour cette cuisine qui est entièrement équipée avec la marque Miele, qui est une des marques les plus haut de gamme pour la cuisine. Finition champagne. On a beaucoup de rangements dans la cuisine. Et quand je vous parlais des petits détails pour les fans de voitures, ici on a encore cet effet fibre de carbone qui vient. C'est vraiment jusque dans les moindres petits détails pour cet appartement. On a évidemment le four, les plaques de cuisson. Ici encore, un autre four, le lave-vaisselle qui est intégré. Ici, beaucoup de rangements. Là, on a un peu les backstage de la machine à café qui est juste ici. Encore des rangements. La cave à vin pour ceux qui aiment le vin. Et ici, les deux frigos et congélateurs de la marque Miele, encore une fois. Et on arrive maintenant dans le coin de nuit qui peut être entièrement séparé de la pièce de réception par cette superbe porte qui va bien du sol au plafond. On arrive dans ce beau couloir avec les tapisseries toujours que j'adore noires et on va visiter la première des chambres qui est ici aménagée en bureau. Alors quand vous achetez l'appartement, vous avez le choix avec le promoteur du package mobilier. Vous pouvez choisir d'aménager la pièce en bureau ou alors en troisième chambre. Si vous choisissez l'option bureau, vous avez exactement le même mobilier que ça, même bureau, même chaise, tout pareil. Si vous choisissez l'option chambre, vous aurez les mêmes meubles que dans les chambres que je vous montre juste après.
Tout le reste, c'est exactement la même chose pour les trois chambres. On a un super parquet en chêne massif noir au sol. J'avais jamais vu un parquet comme ça au sol. Belle tapisserie grise. On a ici évidemment un dressing dans lequel vous pouvez ranger vos t-shirts. On a aussi un espace pour les montres, les cravates, les chemises. Un vrai dressing sur mesure avec lumière intégrée. Et on a aussi notre salle de bain attenante avec une douche, un WC et une super vasque. Et dès qu'on sort de ce bureau, cette chambre, on a ici le couloir. On peut penser que c'est juste un couloir, mais ça a été aménagé en rangement pour ranger éventuellement vos draps, vos vêtements, vos gros manteaux, même si on n'en a pas beaucoup ici à Dubaï. Mais ça manque souvent de rangement dans les appartements, donc c'est pas mal d'avoir ces espaces de rangement en plus. On en a du sol au plafond. Et là, on va aller voir la première chambre ou la deuxième en fonction de comment vous aménagez votre appartement. Vous voyez, c'est exactement le même sol, les mêmes murs, même plafond. Ce qui va changer, c'est ce mobilier. Et moi, j'adore ces lits. Ce sont des vraies œuvres d'art pour moi. Regardez, même la table basse, vous avez même la petite voiture Pagani, les finitions en carbone et le tiroir avec le cuir à l'extérieur et à l'intérieur. Et surtout, ces draps, vous avez même les draps floqués Pagani, je trouve ça incroyable. Le dressing, c'est le même que dans l'autre chambre. Et ici, vous avez votre salle de bain. Les trois chambres sont ensuite. Et on arrive enfin dans la master bedroom, la plus grande des chambres. C'est pas la dernière. Après, il y a la petite pièce secrète que je dois vous montrer. Sur la gauche, on a le dressing là qui est aménagé avec rangement à gauche, petit coin, make-up au milieu et rangement à droite. Ça peut éventuellement être modifié et avoir des rangements tout le long du mur si c'est ce que vous souhaitez. On a ici pas deux lits jumeaux, mais un très grand lit double avec encore une fois les mêmes draps que j'aime tant. Les finitions toujours les mêmes dans les chambres avec ce parquet noir, la tapisserie légèrement grise. Et ici, on a la place pour mettre soit d'autres rangements. Ici, on a mis un canapé. On peut mettre une télé encore ici. Et on a le coin bureau pour travailler juste là avec le balcon terrasse qui fait tout le tour de l'appartement qui va jusque dans la cuisine. Et ici, on a la salle de bain avec double vasque, que des matériaux nobles, du marbre de partout. On a une superbe baignoire en face de nous, WC. Et ici, on a le petit coin avec une douche. Je vais enfin vous montrer la pièce secrète dont je vous parlais. Dites-moi avant en commentaire si vous aimez ce style de vidéo, si vous aimez cet appartement Pagani. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y aura mon mail en description. Et si vous aimez ce format de vidéo, voir des superbes biens comme ça à Dubaï, abonnez-vous parce que je vais sortir plein d'autres vidéos très vite. La dernière pièce, elle est juste là. C'est une superbe salle de musique entièrement insonorisé. Ça peut être aménagé en salle de prière, en dressing, ce que vous voulez. Mais si vous aimez la musique, que vous jouez d'un instrument, moi je trouve ça vraiment parfait. Si vous êtes intéressé pour cet appartement ou d'autres investissements à Dubaï, mes coordonnées sont en description. Et abonnez-vous parce que le prochain appartement que je vous fais visiter, il est dans une résidence iconique de Dubaï et je pense que vous allez adorer.